Bonjour! Aujourd'hui, je vous propose de faire cette belle carte avec des papillons. Oui, avec un mécanisme très facile à faire. Et regardez, ça tourne! Et c'est parti! Tout d'abord, pour faire cette carte, vous avez besoin de ce set de tampons Butterfly Brilliance. Et d'une base de cartes, les mesures y s'affichent à l'écran. Une base de papier aquarellable de 12,6 par 10 cm. Un papier déco pour la base de la carte de 14 par 10 cm. Et deux bases de cartes de 14 par 10 cm. Et pour le mécanisme intérieur de la carte, j'utilise les poinçons tourbillon d'image. Et je vais utiliser ce rond ici et ce grand cadre ici. Ici, je vais utiliser mes deux bases de cartes de 14 par 10 cm. Et je vais passer tout ça à la machine de découpe. Et voici le résultat. Regardez mes trois cartes. Et voici maintenant mon petit rond. Je le passais aussi à la machine de découpe. Allez, vous êtes prêtes? On y go! Voilà, ici je prends mon papier aquarellable, mon set de tampons et ma Versamark. Je veux faire de l'embossage à chaud et je veux faire ça en caméra rapide. C'est parti! Je ancre avec la Versamark et voici mon tamponnage. Je viens verser de la poudre noire que je viens enlever, les surplus et voici à chauffer avec le pistolet. Une fois mon embossage fait, je veux faire de l'aquarelle. J'aime beaucoup cette technique. Je prends mes pinceaux et mes crayons aquarelle. Et regardez, je viens mettre un peu d'eau avec le pinceau et après, je viens étaler tranquillement avec mes crayons. Ça fait un joli effet. Je mélange les couleurs et je m'amuse à colorier tout ça. Et pour finir, je vaporise avec le spritzer. Regardez le résultat. Maintenant, je vais laisser sécher tranquillement, mais j'aime beaucoup cet effet. Voyez, j'ai juste utilisé les pinceaux aquarelles et mes crayons aquarelles aussi. Ça fait joli, hein? Bon, moi, j'aime beaucoup. J'adore vraiment l'effet. C'est très impressionnant. Alors, regardez, ça, c'est les spritzers que vous m'avez vu, que j'ai vaporisé à la fin. Aussi, ça fait un très joli résultat. À vous de mélanger les couleurs et tout simplement vous amuser. Et maintenant, on va s'amuser à faire le mécanisme intérieur de notre carte. Donc, comme vous savez, j'ai passé ça à la Big Chop et maintenant, on va aller le coller le tout. Allez, je vais passer ça en caméra rapide. Ah, par contre, j'ai oublié, on avait soin des petits aimants aussi. Et un brad ou un attache parisien. Et je prends ma première base de cartes et je vais venir décorer l'intérieur de notre carte. Et pour cela, je me suis créé un gabarit avec les bordures incontournables pour venir créer des petits nuages. Et voici, ça donne ça. J'utilisais tout simplement le gabarit, ma brosse estompe et mon encre bleue, Bégane bleue. Et je vous laisse libre votre imagination de venir tamponner, légender ou écrire ce que vous voulez sur cette partie. Moi, je veux utiliser le set de tampons Libellule au jardin. Et voici, donc j'ai gardé notre fond des cartes avec nos tamponnages. C'est une partie que vous pouvez faire comme vous le voulez. Et maintenant, je vais prendre des petits papillons en bois. Un petit, un grand, mais pourquoi pas un papillon en papier? Vous prenez ce que vous voulez, des fleurs, des papillons, des oiseaux, des libellules. Enfin, faites-vous plaisir, mes papillons vont venir tourner avec ce mécanisme. Pour cela, je vais venir prendre mon rond et mon devant des cartes et ici mon derrière de la carte. Regardez, ça bien, ça semble comme ça. Alors maintenant ici, c'est mon derrière, mon papier déco que je peux venir coller tout simplement par derrière
pour faire joli, parce que comme vous le savez, c'est une carte qui se ravage. Aussi, en plus de mécanisme. Pour cela, j'ai besoin des deux bandes de 12 par 13 cm et que je vais venir plier à 2 cm d'un seul côté, comme dans l'image. Regardez. Et voici mes deux bandes que je vais venir coller par derrière de ma carte. Et oui, comme ça. Par contre, si vous voulez que ça soit plus solide, je vous conseille de couper encore deux bandes de la même mesure en papier blanc pour après ensuite venir les coller. Et voilà, je colle ceci par derrière, je mets mon cache. Et ça donne ça. Regardez. Par contre, j'ai oublié qu'il faut absolument mettre votre bras comme ici avant de coller. Et oui, j'ai filmé tellement vite que cette étape, on l'a sauté. Et voici mon cache de devant. Alors par contre, avant ça, je vais utiliser des petits aimants comme ceci. Alors par contre, je vous mets un lien de où vous pouvez les acheter. Ici, j'ai deux couples d'aimants. Je viens juste les placer dans mon rond. Et je vais utiliser ma colle à chaud. Donc je fais un petit point et voici que je colle le tout. Et voilà, une fois mes aimants placés, regardez, donc je vais venir cacher le tout et coller enfin le cache. On va procéder comme ça. Oui, par contre, je viens lever les couples et on va coller ceci comme ça. Et une fois collé, je prends mes petits aimants que je vais laisser tomber et bon, c'est placé toute seule. Et il ne reste plus qu'à placer nos petits éléments. Vous pouvez placer ce que vous voulez. Moi, je veux placer des papillons, mais vous pouvez mettre des fleurs, des petits oiseaux, des libellules, ce que vous voulez. Je prends ma colle à chaud, je mets un petit point et je viens coller. Voilà, voilà, notre mécanisme est fini. Regardez, ça tourne. Moi, j'adore les papillons qui s'envolent. Voilà, c'est pour ça que j'ai appelé cette carte interactive les papillons qui s'envolent. Bon, j'espère que cette carte, elle vous plaît. Et allez, continuons à la finir. Je prends ma vase des cartes et voici, nous allons venir coller ceci à l'intérieur. Et l'intérieur de notre carte est prêt. Bon, maintenant, on va s'attaquer à le devant de notre carte. Vous rappelez, ici, on va venir coller notre panneau papillon. Et voici, regardez, il est prêt, il est séché, il a séché. Et maintenant, je veux juste le coller. Et j'ai une petite idée ici. Voyons. Et oui, je suis satisfaite du résultat. Alors, regardez, vous avez vu mon idée? Elle est géniale, hein? Donc, on peut glisser des petites photos et ça fait très, très joli. Et on s'attaque au devant, à la déco devant. Donc ici, j'ai mon papier 14 par 10 cm et je vais venir faire un cadre. Allez, vous allez comprendre ça.
Thank you.